Dans cette vidéo, je vais payer avec des Robux pour obtenir la meilleure prison de tout Roblox. On va obtenir une prison de fou. Et vous pouvez en être sûr, on va mettre des mécréants en prison. Bon bah voilà mon gars, si tu vas apparaître sur mon écran et que tu vas pas finir en tôle, abonne-toi à cette chaîne. Bonne vidéo. Bon ok les mecs, c'est parti. Déjà on va parler au vieillard, je sais pas ce qu'il me veut. Tuto affiché, qu'est-ce qu'il me veut lui? Eh, j'en ai rien à foutre de tout ça moi. Allez c'est parti les mecs, on va voir à quoi ressemble la prison de Mr. Linehead, donc bien évidemment moi-même. Bon bah que vous pouvez le constater malheureusement, bon il y a pas l'air d'avoir un grand monde. Bon je sais pas comment ça va se dérouler les mecs, hein. Je vous le dis là c'est ma première journée, j'ai pas l'air d'avoir beaucoup d'oseille, ça c'est un petit peu problématique. C'est pour ça que là je vais devoir y mettre de ma poche, hein. Là je vous le dis, on va y mettre un petit peu de notre poche. Comment je fais? Allez c'est parti, boost de gain, hop là, hop. Là ça part, et voilà comme ça on va déjà obtenir plus de choses là, parce que comme vous pouvez le voir en haut à droite, j'ai pas beaucoup d'oseille quoi, hein. Bon qu'est-ce que je peux faire là, soir de la voiture, c'est quoi tout ce truc là, oh là là les mecs attendez. Donc je peux seed, je peux générer une voiture, c'est comment ça générer une voiture, c'est quoi cette dinguerie là, oh là. Bon il va falloir que je pense que j'attrape des mécréants avant de commencer une prison, vous savez quoi, c'est parti là, on part dans la bagnole. C'est parti les mecs, bon si j'ai bien compris en plus là il est 4h du matin, donc là logiquement c'est à cette heure là que les bandits commencent à faire leur casse là, ils savent que tout le monde dort, c'est à cette heure là qu'ils commencent à vous... Hop, 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 hop. Est-ce que c'est que je peux attraper là? En plus, ce qui est bien, c'est que je suis pas en tenue. Hop, 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 tu viens ici, toi. Et voilà. Hop, hop, hop. Allez, dans la vague, comment je fais là? Bah, mettre le criminel dans la voiture. Allez, dans le coffre. Oula, j'ai peur de faire des choses qui sont pas autorisées là, les mecs. Parce que mettre un genre de criminel, un bandit, dans le coffre, c'est pas très, très autorisé logiquement, je pense. Hein. Mais vous savez quoi, moi, j'en ai rien à foutre. Vu que j'ai envie d'obtenir la prison la plus grande de tout Roblox, ah bah, il va falloir que je fasse des choses un petit peu de bandit aussi. Hein. Je suis un petit peu un ripou. Voilà, tu viens ici. Toi, comment je fais là? Eh, tu sors de la voiture là, dépêche-toi, voilà, tu me suis. Et voilà, tu baisses la tête aussi là. Est-ce que je peux commencer à les mettre en tôle? Hop là, tu rentres ici, toi. Est-ce que je peux la laisser ici? Hop, tu te relâches. Voilà. Elle s'appelle comment la petite dame là? Taylor Tarun. Eh, tu restes ici, toi. Je te vois pas sortir, hein. Bon, comment je ferme la porte là? Parce que là, la porte, le problème, c'est qu'elle est ouverte. J'ai pas vu qu'il commence à se barrer, moi. Hein. Ah, et comme vous pouvez le voir en haut à droite, j'ai actuellement un petit prisonnier. Ah, j'obtiens des revenus horaires. Non, 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 pop, tu fais quoi là? Tu sors pas d'ici. Tu fais quoi? Non, mais tu fais quoi? Hein? Ah non, les mecs, j'ai pété un câble. J'ai cru à me braquer avec un fusil. J'ai complètement vrillé. Bon, par contre, les mecs, je fais comment là pour être sûr qu'elle se barre pas là? Parce que ça me fait peur, hein. Déjà, attendez. Ah, ok, ok. Donc, ici, c'est le genre de catalogue pour avoir des travailleurs. Donc, vous savez quoi? Il me faut bien évidemment un garde et hop. Ah, bah ouais, mais j'ai pas d'oseille moi. Bon, bah, il faut que je fasse de l'oseille. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'elle est en train de débarrasser. Donc, ça, j'apprécie. Merci bien. Bon, les mecs, j'ai un plan. Je vais devoir attendre que j'ai 50$. Actuellement, je suis à 30$. Et mon objectif, c'est d'obtenir un garde. Bon, bien évidemment, pour garder la prison. Je ne vous apprends absolument rien là. Et bah c'est parti, on engage le premier garde. Bam. Le voici, le voilà. Hein. Bon mon gars, je vais te laisser. Il faut que j'aille choper d'autres petits. Voilà, d'autres petits malfrats. Hein. Parce que là, c'est pas avec un seul malfrat que je vais pouvoir me débrouiller. Oula. Bon et la conduite, ça fait 48. Hein. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a des malfrats ici? Est-ce qu'il y a encore la liste de malfrats là-bas là? Et voilà. Bon, on va tenter de les prendre à la tête. Hein. Regarde-moi ça là. Pourquoi t'as une teinture bleue, tu viens ici là. Hop là, tu rentres dans le coffre. Allez, hop, 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 hop. On dégage. En plus, là, je suis carrément un agent de la BAC là. Je suis en tenue civile. Je vais te faire un test. Est-ce que je peux en prendre deux? Toi avec tes couettes, tu viens ici là. Voilà, dans les menottes. Ah, je. Ah oui, mince, je peux pas. Il y a marqué voiture de Linehead XD 1 sur 1. Bon bah, je dois y aller. Hein. Ciao les mecs. Hein. Bon, par contre, ce qui me fait peur, c'est que si je dis pas de bêtises, ma prison a 3 places. Allez, hop, 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 tu vas rejoindre ta pote, toi. Allez, en tôle. Voilà. Bon, j'espère que le garde, il va faire son taf maintenant. Hein. Parce que là, en 2v1, il peut se faire un peu tabasser, le pauvre. Il faut que j'aille en chercher une troisième. Bon, logiquement, un garde pour 3 personnes, ça va. Hein. Bon, la conduite, c'est toujours pas amélioré, comme vous pouvez le constater. Allez, toi, tu viens ici, toi. Et tu finis en tôle, hop, hop, hop. Ouh là là là, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de dégueulasser ma prison là, ça va pas le faire, hein. Seul problème, c'est que le garde, il est complètement perdu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon bah là, il va falloir que je commence à engager d'autres personnes, hein. Attendez, je peux engager quoi là? Des concierges, ok. Ah mais comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment pas d'oseille. Et bon, vu que je suis un chic type, hop là, le chef cuistot, il est dans la prison. La voici, la voilà, t'aimes-moi ça. Regarde-moi la toque. On dirait Philippe Etchebest. Oula, par contre, les mecs, comme vous pouvez le constater, j'ai à moins 8$ là. Alors là, gros problème, hein. Mais c'est pas grave. Nous, on se met en négatif pour nos prisonniers. Ça boit des bandits, nous on les adore. Par contre, attendez les mecs, je crois que je viens de découvrir un petit problème là. Parce que regardez-moi ça, si je fais ça, et bah oui, je peux escader la prison là. C'est pas fou ça, hein. Mais c'est pas grave, je pense pas qu'il me voit là. On va dire que moi je suis un mec des Jeux Olympiques. Je saute plus haut que la moyenne. Bon oui, c'est ce que je dis pour me rassurer. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre là? Mais attendez, on va déjà donner un nom à la prison. Linehead le boss. Et on va l'appeler Linehead le boss. Bah ouais, voilà, ma prison c'est Linehead le boss. En plus, c'est totalement le cas, hein. TMA, comment je suis le boss des boss? Bon là, j'ai l'impression que ça me rapporte pas assez d'oseille là. On va devoir mettre les bouchées
double. Et quand on a un patient, on paye. Et on prend carrément des camions militaires. Hop là, le camion militaire, il part dans la besace. Bon, je sais pas à quoi il va servir, hein. Ça me fait peur. On va voir, attendez. Bah, il est où? Mais il est où? Je me suis pas fait escroquer quand même. Ah, ok, regardez-moi ça. Il est disponible ici. Donc, on peut le faire spawn. Donc, hop là, il va spawn ici. Et hop là. Check-moi le camion militaire. Et comme vous pouvez le constater, je peux mettre 12 personnes. Alors là, on va partir à la chasse. Je suis un chasseur. Bon, après, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que ma prison est, bah, est toute petite, quoi. Donc, si je ramène une équipe de foot dans la prison, gros problème. Donc, c'est parti. On va faire la récolte. Et de 1. Et de 3. Et de 5. Et de 10. Et voilà. Bon, je vais pas non plus en prendre 12. Parce que ça se trouve, ils vont devoir dormir dans le camping-car. Et ça, j'ai pas trop envie, hein. Bon, par contre, là, je sais vraiment pas ce que je vais devoir en faire, hein. Hop là, devant la prison. Qu'est-ce que je vais devoir en faire maintenant, là? Ça va être mystique. Là, j'ai très très peur qu'ils s'échappent tous, hein. Là, ils vont créer un gang. Je sens que je suis en train de faire une grosse bêtise, là. Eh, j'ai envie de les entasser. Moi, je veux simplement être la plus grande prison de France, hein. Enfin, du moins, avoir le plus de détenus possible. J'en ai rien à foutre de leurs conditions de travail. This prison need more beds, mais je m'en fous. Tu dors sur le sol. Tu crois qu'il faut comment les mecs à Koh Lanta? Bon, c'est vrai qu'eux, ils ont 100 000 euros à la clé, hein. Bon, toi, à la clé, t'auras la liberté. C'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de se plaindre? Oh, vous êtes des criminels. Oh, des émeutes massives. Non. Oh les mecs, vas-y, battez-vous. Je vous ramène du bétail, battez-vous tous. Oh oui, oh ils sont en train de se taper. Attendez, avant de faire des bêtises, oh là je stresse. On va quand même recruter des gardes. Hop là, j'embauche. Voilà. Allez les keufs, faites des descentes. Oh les émeutards les fous. Allez, oh, je commence à mettre plein de gardes. Qu'est-ce que je raconte, je sais même plus ce que je dis. Plein de détenus, allez battez-vous tous. Mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre des lits quand j'en aurai envie, quand j'aurai de l'oseille. Oh là c'est tellement drôle, je suis en train de faire la pire prison de France, alors que c'était censé être la meilleure. Et dites-vous que j'ai payé, hein. Moi, je suis le seul mec au monde qui paye et qui fait n'importe quoi. Mais bon, au moins, ça rentrera dans l'histoire. Eh, j'ai même envie de les stacker à 100 à l'intérieur. Je m'en fous. Mais plaignez-vous, je m'en fous, vous êtes des criminels. Ouais, ils sont en train de chier partout, quoi. Attends, qu'est-ce que je viens de voir par terre, là? J'espère que j'ai dit n'importe quoi, non? Ah oui, c'est même les gardes qui... Quoi? Mais attendez, mais quoi? Des tunnels d'évasion. Mais c'est des malades. Mais ils creusent devant moi. Mais vous êtes fous. Mais commencez pas à ruiner ma prison, hein, je vous le dis, hein. En plus, bande d'idiots, ils sont en train de creuser devant moi, là. Mais je m'en fous, vous, voilà. Je vais vous payer des cuistots, vous avez pas faire les marioles. Attendez, est-ce que je peux leur acheter des choses? Je vais leur mettre des lits. Je vais leur mettre des lits ici. Allez, dormez ici, là, c'est Squid Game. Mais je leur mets même des chiottes devant tout le monde, même des douches. Ah, j'ai plus d'oseille, malheureusement. Bon, est-ce que là, avec les lits, ça va? Ou là, c'est problématique? Ah ouais, c'est vraiment le zoo, hein. Ils veulent faire des douches. Mais vous aurez pas de douche? Aspas TV se porte très très bien, il prend pas de douche, hein. Oh, par contre, vous arrêtez de creuser des trous, là, oh! Non, mais attends, j'ai enfermé des clébards ou c'est comment, là? C'est terrible! J'ai vraiment enfermé des clébards! Ils sont en train de creuser des trous! Mais c'est n'importe quoi, hein. Je suis pas fier de vous tous, hein. Est-ce que je peux recruter d'autres personnes, là? Des réparateurs? J'ai pas d'oseille pour ça, décompte. Mais on s'en fout des concierges. Des gardes. Bah ouais. On va prendre plein de gardes. Oh c'est vraiment nickel. Regardez-moi ça là. Lined le boss. Bon de toute façon vous pouvez en être sûr, hein. Dès lors qu'une prison porte le nom de quelqu'un, il faut pas y aller. Ne faites pas de crime les mecs. Attendez quoi? Comment ça 10 personnes? Il y en a deux qui sont échappés. Retrouvez-les. Ah bah je pense que dès qu'il y a un drapeau, c'est qu'une personne c'est vraiment barré quoi. Bah par contre c'est des fous, hein. Commencez à creuser voilà dans vos chambres. Pas en plein milieu de tout le monde. C'est vraiment du n'importe nawak, hein. Ils plantent des drapeaux comme s'ils avaient été sur la lune. Vraiment n'importe quoi, hein. Du grand foutage de gueule. En plus, regardez-moi ça. Les prisonniers ont tendance à casser des choses et à creuser des tunnels. Donc ça veut dire qu'il faut que j'embauche un réparateur. Après, ils demandent vraiment beaucoup d'oseille, quoi. Et je vous mens pas que l'oseille, elle est pas trop là, hein. Mais bon, comme vous pouvez le constater, je commence à perdre des personnes. Et ça, c'est plutôt problématique. Bon, bah de toute façon, on va attendre que j'ai 500$. Et on va voir, il reste combien de personnes dans ma prison. Et voilà, les mecs, j'ai 566$. Et comme vous pouvez le voir en haut à droite, personne s'est échappé. Youhou! Nickel. Bon, c'est parti. On va commencer à prendre l'opérateur. Et voilà, t'as intérêt de me réparer des choses, hein. J'en ai marre de ces trous, hein. Bon, par contre, là, c'est la hesse, hein. Moins 44$, je peux même pas m'acheter un domac. Comment ça, statistique des prisonniers? À bientôt. Ah bah, nickel, il y a pas. C'est vraiment de l'arnaque, hein. Je me suis fait arnaquer, là. Mais y a un mec qui vient de se faire la malle. Mais vous savez quoi, les mecs? J'en ai marre d'eux, ils font du mauvais taf, je les vire tous. Voilà, ça dégage. Le chef, tu bouges. Ils veulent s'échapper. Bah, ils vont mourir de faim avant de s'échapper, hein. Le chef, tu bouges, j'ai dit. Voilà, c'est bon. Moi, j'en ai marre, je me taille. Personne me respecte. Même les mecs que je fais bosser m'arnaquent. Je suis à bout. Je suis dépité. Hey, ciao, les mecs. N'oublie pas de t'abonner, oui, yeah. Et de liker, sinon ça va chier, oui, ça va chier. Ah, lui n'est pas abonné.